Ulti aussi sur les creeps, range. Bah oui, si derrière, tu fais Aghanim, hop hop hop, tu split push rapidement quoi. Exactement, ouais, non, c'est vrai, non, on peut, cette utilisation est possible. Faut voir quand même que Cloud9 a banni son propre Pugna, histoire de dire vous nous respectez pas, mais nous on se respecte nous-mêmes et on le rejoint pas. Et voilà, ça là, donc IG a pris l'Undying et le Rubik. Alors c'est le premier Undying qu'on voit du tournoi, je crois. C'est possible, je te confirme pas. Non plus, moi non plus. Ouais, c'est ça, ils ont quand même été toujours ban. Est-ce que IG est une équipe spécialiste de l'Undying? Pas plus qu'une autre. D'accord. Mais ils ont l'habitude de le jouer quand même? Oui, oui, oui. Bah, voilà. Ils ont tous joué au début comme de la version. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec leur Undying? Est-ce qu'ils ont tendance à traverser la rivière? Ou est-ce qu'ils posent la tombe pour défendre les tours? Plus pour défendre les tours. D'accord, ok. Donc on devrait avoir du coup un style de jeu assez similaire à ce qu'on a pu voir. Ban Phoenix, ban Naga Sirène. C'est génial. Il a quand même la gueule, l'ouverture de draft Cloud9 quand même, ouais. c'est prometteur. Ouais, ça, c'est, bah, le c'est comme le first pick farm Pugna, aussi. Oui, c'est ça, c'est comme le first pick Pugna, ça peut être bien comme ça peut être un peu moins bien. Bah, moi j'étais pas convaincu déjà par le first pick Pugna déjà de base. Mais bon. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Victoire on facile. Sait pas comment. Alors, comment est-ce qu'ils ont gagné? Non, je ne sais pas. mais ils l'ont fait. Ouais, non, mais on disait toute la partie, on a dit non, mais c'est bon, de toute façon, IG ils sont mieux en late. Puis à un moment, ils sont arrivés devant la base. Ouais. Bah, le truc c'est que le Giro n'a jamais fait un seul spell en teamfight parce qu'il n'avait pas activé ZKB. Voilà, il était Blink X Ravage et il était mort. Donc c'était un problème quand même. Bah yep. Donc, il fallait farm jusqu'à avoir une Lincoln, ouais, pour dire avoir le temps d'activer BKB. Et une Lotus. Et une Lotus. Ça tu X la Queen of Ouais, ils ont pas farm assez longtemps. Ouais, c'est ça. Donc bien joué de la part de Cloud9 où il a su accélérer. Ouais, il a su trouver le timing de la 50ème. Exactement. Avant la 60ème où les items auraient été terminés. C'est ça. 70ème peut-être quand même. Ah, difficile, hein. Franchement, difficile de trouver les solutions adéquates au draft des deux équipes. Je sais pas ce que t'en penses, mais je me trouve vraiment bien installé là. Avec ma petite table. Avec ta petite. Ma petite bouteille d'eau, ma petite souris, c'est vraiment bien là. J'ai l'impression d'être au top. Des grands pique-niques là. C'est vraiment... Dans deux secondes, la bouteille d'eau va tomber sur de la table. C'est bon, on n'est pas chez nous. C'est l'intérêt de faire de TI chez JVC. Ouais, on peut faire tomber les bouteilles d'eau. Ça, c'est quand même le kiff. Bon, ban Witch Doctor, Cloud9, qu'est-ce qu'ils vont ban? Moi, j'aime beaucoup le ban Naga Sirène. Je respecte les gens qui ban ce héros. Tout à fait. Mais t'as vu que Cloud9 se ban encore ses héros? C'est eux qui ont ban le Phoenix encore. Ouais, ouais. Bah... C'est intéressant quand même cette stratégie de se respect ban soi-même. Surtout que, bon, Ixie est pas réputé pour jouer énormément de Phoenix. Même. Ouais. Bounty Hunter qui est retiré maintenant, donc le Bounty Hunter de No Tail donc qui est retiré par Bon Seven. Oh, pour le coup, Juan joue pas mal de Bounty Hunter, ça arrive. Ah. Peut-être qu'ils vont se libérer un chaîne du coup. Non, et puis il faut dire que le Bounty Hunter ça irait très très bien avec le style de jeu agressif de ID qu'on a pu voir sur les deux premières games. Oui, quoi. Tout à fait. C'est vraiment. Ah, ça snipe les cheeks, ils vont au mid et tout. Ça a quand même beaucoup d'agressivité en soi, le Bounty Hunter. Donc ça irait parfaitement dans leur style de jeu. Quoi. Yep. Ah, je pense que c'est juste qu'ils vont piquer un chaîne. Mm-hmm. Ce qui d'un autre côté nous rassure, parce que chaîne égale push de tour. Mm-hmm. Sauf si tu farm à gagner mais que tu split push. Aussi. Allez, Razor qui arrive pour le moment. ID aussi pourra prendre le chaîne s'ils veulent. Bon, là, on connaît parfaitement les lanes de Cloud9 du coup. Ah bon, quelles sont les lignes de Cloud9? Bah, Eternal Envy, Razor safe, ouais. Les Shrak sur Fata au mid et Spirit Breaker sur Bone Seven sur la offlane, tu penses? Ouais, je pense. Vrai, oui, d'accord. Du coup, on peut choisir les héros adaptés normalement du côté Invictus Gaming. Alors, qu'est-ce qui est adapté du coup? Ils sont tous bleus. Alors, on part du principe que l'Undying est core. D'accord. Moi, je dis un petit disruptor dernier pic. Mm-hmm. Paraît très adapté à leur truc. D'accord. Pour les empêcher de courir un peu partout. Et en carry. C'est bien sûr les Shrak, c'est bien sûr Spirit Breaker. Magina? On a vu des Magina contre les Shrak. Ça vient tout gâcher là. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? On a vu des Furions support. Ça peut être un Spirit Breaker support. Ça peut être une Dual Offlane, Nature Prophet, Spirit Breaker. Ouais. Alors Furion, c'était une réponse qu'on a vue au tout début quand les gens prenaient Undying, parce que Undying ça aime bien quand il y a 5 mecs au même endroit et le Furion il est jamais au même endroit. Donc, mm-hmm. Du coup il est content. Mais bon, alors, c'est pas très combo hein, que ce soit Spirit Breaker Nature's Prophet ou Leshrac Nature's Prophet, c'est pas spécialement combo quoi. Non. Donc là, ils cassent tous les arbres du Furion. Ouais. Je sais pas, moi je le sens pas. Ouais. Je sens pas ça très opti. Ouais, mais bon, il peut rejoindre la charge de Spirit Breaker par exemple. Oui. Pour d'apporter de la globalité. Ouais. En général, il est vraiment là pour speed push hein, et pour dire. Tu sais, genre, ils vont vouloir fight à 5 et Nature Prophet, il va pouvoir remonter les autres lignes et les rejoindre après, prendre la bataille. Comme on voyait dans les finales KI, quand c'était Sylar qui joue toujours les Nature Prophet comme ça. Bon, même si il va probablement être offline.
Alors, SF, du coup, Queen of Pain Burning ? Ah ouais, bah là, c'est perdu. Ah, c'est perdu. Bon. C'est officiel. Non, non, SF Burning, c'est gagné. Mais Queen of Pain Burning, c'est perdu. Ok. Complètement. Il est. Il faut respecter quand même le joueur, il est meilleur qu'Eternal Envy avec une Queen of Pain. D'accord. Mais. C'est pas son style. Encore une fois, c'est pas son style. Ok. Bon, on espère qu'il jouera le Shadowfiend du coup. Ouais. Mais mid ou safe lane ? Bah non, safe lane. Parce qu'au respect des positions, toujours. Respect des positions. Il y a des équipes chinoises qui changent comme ça ? Oui, ça arrive. Alors. Je n'ai pas en tête en fait, c'est pour ça que. Je réfléchis. Hein. Il y avait Vichy de temps en temps avec leur Ember offlane. Ouais, il y a surtout LGD avec leur mid. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'LGD ils sweep souvent, t'as raison. Et mais après, non, c'est pas vraiment. Mmh. Ouais, parce qu'ils ont des joueurs de carry qui bougent jamais de la safe lane. Ouais, non, mais les Chinois ils ont deux dictons, doctrines, comme tu veux. C'est le respect des positions, la sécurité avant tout. T'as appris ça dans les ateliers, c'est ça ? Exactement. Dans les ateliers du Dota chinois. On apprend ça tous les jours. Tous les matins, il faut répéter les mantras. Bon, qu'est-ce qui se passe ? La Banbrood, ça c'est logique. Ouais. Même si vous avez de quoi la chasser, c'est toujours relou. Après, Banbrood, ça veut dire que Nying support. Mm-hmm. Alors moi, le peu de fois où j'ai vu la Nying chez IG, c'était Face. Et en face, on retire le Kotl, le Misery. Bon, pourquoi pas. Ouais. Bon, c'est un des héros qui joue le plus, il leur manque un slot de support. Je sais pas si ça aurait été très très bien dans leur line-up. Oh, c'est pas mal, hein. Bah, si tu te mets un Leshrac support, t'as envie d'avoir un setup dessus. Et là, actuellement, à part le Spirit Breaker, qui est pas le meilleur setup au Leshrac, ouais, parce que t'envoies un petit... Il manquait le deuxième support, ah, ouais. L'autre support, c'est le Spirit Breaker, je pense. Quand même, il aura envie d'un setup. Même s'il est mid. Un truc qui permet de gank... Ouais. Alors, a priori, pas besoin. Ouais, pas besoin, tout droit. 5. Massif. Death Ball. Yu, il dit comment quand il y a des Death Ball ? Massivité. Non, il a une expression spéciale. Demandons au responsable et patron de la Web TV. Il dit kawaii. Non, il y a un truc, il dit tout le temps quand il sera ça. Ouais, c'est pas grave. Et Lina, Lina Core ? Lina Support ? Non, Lina Core. Queen of Pain of Lane. Dual of Lane, Queen of Pain of Lane. Comment on n'a pas vu venir ça ? Classique. Ah bah, comment ? Comment on n'a pas vu venir ça ? Très classique. Non, non, c'est très fort en plus. Et donc, Lina Burning. Et donc, Lina Burning. C'est fou. C'est son perdu. Style. Alors, la dernière fois que j'ai vu Burning jouer Lina, ça s'était bien passé au début et ils se sont fait rétamer à la fin. C'était avec Lulu, je crois. Ah, Lulu confirme. Il s'en rappelle très bien. Il a même pas fait Dagger, il a fait un peu la Wack. Dagger. Oh, bah oui, mais oui. Non, bref. Bref, c'était pas bien. C'était pas bien. Ouais. Non, mais il faut un truc quand on voit Burning apparaître en bas. Si on voit pas un petit point vert en haut à droite, c'est mort. D'accord, c'est ça là, c'est attribut. C'est, attends, c'est ça. Sinon, il voit pas. Ah ouais, c'est, il parle de ça là. Ça c'est vert. Il y a marqué Ferrari, c'est donc là. C'est pas bon. Mais non, pour le coup, ça va quand même. Oh, Ferrari joue tout, ça va. Oui. Efficace Ferrari. Grand joueur. Grand joueur. Grande voiture. Enfin, non, petite d'ailleurs, mais rapide. Battle. Bon allez, on va partir à 5 dans les bois adverses de la part de Invictus Gaming. Alors, on nous demande une question. Est-ce que Funzy est avec Shiba ? Bah, pour le coup, non. Funzy, il est pas avec moi, ah quoi. Non. Puisque pourquoi ? Je les ai laissés à la Gaming House et je suis venu. Ah, tu les laisses tout seul chez toi ? Bah, ouais, je les ai laissés chez moi, merde, ouais. Merde, le plan cul. Ah, ils sont pas tout seuls, hein. Ils ont des babysitters, mes colocs, qui sont très contents que je me casse de chez moi et que je laisse mes invités tout seuls avec moi, eux. Moi, je serais pas mon frigo sans protection avec Funzy dans la maison. Hein. Ah, c'est eux qui ont fait les courses. Ah, oh putain. Ah, non, mais avec le temps, ils s'améliorent. Ouh là là, ouh là là. Oh, et il y en a un qui est en train de dodge complètement l'histoire. Je sais pas s'il est au courant. Ah, non, il doit pas être au courant parce que sinon, je pense qu'il. Il serait pas là, oui, t'as raison. C'est une bonne remarque. Bon, comment on fait ? Comment ça marche l'équipe ? Bon, bah ça, c'est 100 gold de perdu, mais c'est pas grave. Il gagne la position. C'est ça. Allez, donc c'est bien Bone 7 au Nature's Prophet, et donc c'est bien Notail, j'imagine. Ah non, c'est Misery Spirit Breaker, Notail Visage, Fata, Leshrac et Eternal Envy sur son héros à 100% win sur la version. Eh, Misery, Razor. Il est chanceux quand même. Hein. Pourquoi ? Il a que les meilleurs héros ? Ah, il a que des supports vraiment, vraiment très utiles. Ah non, c'est lui qui doit dire moi je veux jouer Kotl, moi je veux jouer Pugna, je pense. Hein. Il doit être un peu masochiste. Donc, ah, tu penses ? Ah, je pense, hein. Je pense que Bone 7 lui dit tu joues ça. Ah c'est vrai. C'est vrai que Bone 7 est... Il y a Envy qui avait fait un tweet en disant
Wouhou, bonne semaine au draft, je joue Razor et Viper. Mmh. En mode, il était pas très content. Bon, du coup, bah, ça va être un duel mid marrant. C'est toujours marrant les duels avec les Shrek parce qu'ils se tapent sur la gueule. La Queen of Pain est safe lane et c'est une tri-offensive. Tri-offensive sur Lina. Est-ce que t'as déjà vu ça? Oui. Et est-ce que ça a déjà marché? Bah non. C'est la même. Merde. C'est le retour. Et donc là, ils viennent se heurter au Razor. Mais ils vont les éclater quand même là. Ouais, mais sur les lanes, ils les avaient éclatés la dernière fois qu'on avait casté ça. Ça va. Ça avait très bien marché. Et puis à un moment, ça reste. La charge au mid. Stun les Shrak à suivre. Je sais pas vous parler du setup. Et le First Blood qui récupère un Misery avec son Spirit Breaker qui vient rentabiliser son Orb of Venom. Avant la première minute de jeu. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Et autant d'actions. Personne n'a jamais fait dans l'histoire de Dota. Allez, on va manger un petit tarp de la part de Schwan, on va ramener dans le burning. Merde. C'est bon. Double décay, il va se cacher, il va essayer de trouver un angle no tail. Non, c'est bon, il sait qu'il est mort. Et le kill qui est récupéré par Face. Stun d'ailleurs qui part de la part de Burning. Et Yatalan, lui, il est forcé de reculer. Il a 370 de HP max. Hein. Voilà, ça remonte avec les dégâts qui s'en vont. En fait, il est meilleur sans setup Burning. Effectivement. Il fait un setup, il loupe. Tout seul, ça passe. Alors, on parlait des trucs que les Chinois font tout le temps. Le je mange un arbre pour venir par là et te choper, ça aussi c'est des trucs que les Chinois font. Si vous voyez des gens faire ça, il y a des gens, pourquoi il y a des gens là entre les deux tours? Pourquoi est-ce que Ferrari est en train de se faire dive comme un gros sale? Et pourquoi est-ce qu'en sort il se fait salve par Face et il n'y a pas de bash de la part de Misery? On va TP de la part de Bon Seven, ça pourrait être un carnage tout ça. Ils vont essayer de le finir, oui ça va passer, il y a l'arrivée du Ruby, il y a l'arrivée de Face qui vont être là pour terminer peut-être tout le monde. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à finir Bon Seven, Bon Seven court trop vite pour le Undying. Et en haut, c'est la bagarre entre Luo et le visage. Luo qui va venir récupérer ce visage. Et on a déjà fait plus de kills que dans les deux games précédentes réunies. C'est impressionnant. Tellement d'action. C'est impressionnant. Je pense qu'on va sortir de ce BO3, on n'aura plus de voix. Ouais, on va se dire, mais c'était génial. Je pense qu'on va garder un bon souvenir du BO3 alors qu'en fait. c'est la tromperie quoi. Allez, Face, il s'est acheté des sentries. On sait pas trop ce qu'il en fait. Éternel Envie, il s'est caché dans les arbres. Mais je sens que ça va mal finir. Une bonne idée encore de pour Jackie Mao. Jackie Mao qui va TP à la fontaine. Félicitations, c'est bon. Jackie. Que se passe-t-il en haut? On a le retour de Bon Seven qui est là. Et il a même pas TP à sa tour, quoi. Il a carrément TP à la fontaine. Il a fontaine. TP à la fontaine, littéralement. Ouh, il a vraiment eu peur. Hein. Ouais. C'est pas un homme très courageux, le jeune Jackie. Ah, c'est une caractéristique de Brido canadien. Mmh. Très joli stun de la part de Fata. Le slow qui est posé de la part de Notail. On va envoyer le blast visage et le kill à récupérer. D'ailleurs, on va lift et ramener dans le Nain qui vient de TP, qui ne posera pas sa tombe. Et qui TP pour rien. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de rotation inutile des supports. Hein. Ouais, et puis Ferrari, il est pas bien sur son mid. Et Ferrari, je crois qu'il a 4 de CS et 2 morts. Mmh. Ce qui veut dire qu'il a une soul. Ce qui n'est pas beaucoup. Allez, il va pouvoir re-TP, redonner des coups de bottle à Face parce qu'il est sympa. Allez, il vient de doubler ses CS. Et en haut, qu'est-ce qui se passe? C'est Luo qui était chargé. Allez, ça va recharger mid à tous les coups. Hein. Misery qui va pas s'arrêter là. Ou pas. Et pendant ce temps, ils ont complètement abandonné Burning. Ouais, et du coup, ça se laisse pas à Envy qui était pas bien dans la game. Mmh. Et qui est maintenant au même taux de CS que le SF. Ce qui le remet bien du coup dans cette partie. Mais quand même pas top. Tu critiques le farm de Ferrari? Bah attends. Attends, salaud. Je critique en même temps le farm de Envy donc. C'est vrai. Tu peux pas critiquer l'un sans l'autre. Et Envy justement qui pose le link. Vous allez faire sous la tombe là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va mourir du coup extrêmement bêtement. La charge peut être récupérée. Burning, il a eu le temps de lâcher un stun. Face devrait mourir. Et on va pouvoir se retourner et casser cette tombe. C'est nul la tombe en fait. Les mecs, ils ont fight 10 en dessous, ça a rien fait quoi. Ouais, exactement. Bah, il faut avoir des dégâts quoi. Ça slow les gens, mais s'ils peuvent juste tuer sans bouger, c'est pas trop grave. Que nous disent. On va passer au Net Wars déjà parce qu'il y a tellement de kills que les last kills ne veulent pas dire grand chose. Et on peut voir qu'il y a un mec qui est riche. C'est un mec qui vient de TP en bas en S qui est déjà à 3 kills et 2 assists. En 5 minutes, il y a 3000 de net worth. Et le mec qui est riche, c'est le mec qui fait gagner Senile 90% du temps. Donc c'est pas une très très bonne nouvelle pour IG. Effectivement. La Queen of Pain, c'est elle qui est bien pour Vici Gaming. C'est pour vous dire, elle a quasiment de quoi acheter des bots là. Hein, donc c'est vraiment.
Elle va les acheter. Allez, on va revenir en haut de la part de Bonseven. Bonseven aussi, il est bien dans la gamme. 1-0-2, bon taux de CS. Il loupe l'élastite sous la tour, on n'en veut pas. Oh, 2. Ah, bien joué, il se rattrape. Allez, lâche l'ulti là pour voler les CS de tes potes. Pendant ce temps-là, en bas, qu'est-ce qui se passe? Le Naing est pas très efficace. Ah, bah si, il a 3 kills en fait. Il a fait 3 des 4 kills de sa team, j'ai rien dit. Le Naing est très efficace. Qui va poser une ward, qui voit immédiatement Misery. C'est pingé par plein de gens. Razor est pas bien quand même, hein. Level 4 en 5, en 6 minutes. Avec 12 de CS et une mort, c'est pas terrible, je pense. C'était, en y réfléchissant, c'est quand même courageux hein, de la part de IG de pique ce SF mid contre mm-hmm. Shrak Barra. Ouais, c'est vrai. Surtout si tu veux partir en tri-off, c'est-à-dire que t'auras pas de cover pour ton SF. Quoi. C'est ça. C'est quand même un problème. Bon, il y a plus personne en haut, la Queen of Pain, c'est pas. Il est où le SF justement? Ah, il est là. Il va essayer de recover avec des runes de Bounty. Ça va augmenter son farm. Bon, ils sont tous. À part le Shrak, qui. Ah, ils nous refait la même, regarde. Ils sont tous moyens. Hein. Ah ouais. Bien joué. Oh merde, on a loupé. Attendez, non, que se passe-t-il? Oh, j'ai un retour dans le temps. Attends, on a un TP mid de la part du Leshrac. Shuren qui se met en position. Misery qui est là. Oh, j'ai l'impression que ça va se fight bientôt ici au mid, ouais, mon petit Shiba. Ça se prépare. Oh, j'ai bien l'impression que ça va fight. Le slow de la part de Fata. Allez, on le lift. Une raise. Double raise. Ulti Queen of Pain. Grosse charge à part de Misery. On perd le visage pendant ce temps-là derrière. Et Misery qui est slow. Est-ce qu'on peut récupérer un triple kill sur Lou? Il a plus de mana malheureusement. Allez, la raise. Et allez. CKS par Lou, triple kill. Et on disait que c'était le Leshrac qui allait faire gagner Cloud9. Et que la Queen of Pain, c'était là. C'était elle qui pouvait compenser la chose. Et là, elle vient de nous faire le café. On a heureusement que. Heureusement qu'ils font cette action quand même. Parce qu'ils étaient quand même sacrément pas bien. Ouais, bah regarde, du coup, le SF, il est plus si loin que ça. Hein. Ouais. Parfait. L'Orazor, lui, il est toujours au ras des pâquerettes. Envy pourrait peut-être aller faire les bois, je pense, pour être un bon choix pour lui. Non, je pense qu'il va retourner sur la lane. Il a re-TP Fontaine, hein. Ouais. Il aime bien. En fait, il peut pas parce que les bois sont bloqués. Face, il fait les bois lui aussi. Et Shwen, il a complété ses arcanes. Le visage, bientôt level 6. Ils sont au level quand même, les supports à Cloud9. Tellement de kills. Il va falloir créer de l'espace pour Jackie. Burning qui est très très bas par contre en Networks. Ouais. Mais bon, ça va vite, hein. Tu mets un petit ultilina, hop, un kill. Tout est level. Ils font une sorte de concours en interne, Burning plus Eternal Envy, ouais. De savoir qui va être le plus mauvais en position 1 de leur équipe, respective bien sûr. Et ah, Envy est quand même déjà efficace, hein, parce qu'avec sa Queen of Pain sur la première game, ouais. il était 4ème très... de sa team, je crois. Ouais, c'était pas proche du 5. Top 7 Networks. C'était vraiment pas mal. Hein. C'est... Ah, il est là, dur à là, attendre. Là, il est top 7 Networks hein, encore. Et là, il tient le record. Il est passé derrière le Rubik maintenant. Mmh. On va voir s'il arrive à récupérer peut-être ce Elbert Smasher. Allez. Ah, oui, c'est fait. Il dépasse le Rubik. Bien joué, Eternal Envy. Il y en a un autre qui est pauvre, c'est le visage. Hein. 900 Networks, c'est pas beaucoup. Ouais. Le Nain, il a 1000. Donc. Le Nain, il a 3 kills. Il est trop pauvre, quoi, le pauvre. Pas une bonne game pour lui. Le SF, on le voit plus tard un moment, il fait les bois. Portrait de Bottle Wand. Et là, bah là on a, j'ai l'impression qu'on est reparti un peu dans un setup identique aux deux premières parties. Donc là, on va noter. Hein. Là, il y a 5 à 7, minute 9. Ouais, donc on verra peut-être minute 39 si on a réussi à dépasser la barre des 10 kills. Bah, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, t'es bien, il check s'il y avait quelqu'un en fait. Il aurait pris de l'effort s'il y avait quelqu'un. Un malin ce joueur. Mm. Ah, tiens, une smoke. Agressif. Oh, la charge sur Shwan, ça stun, into stun, into ulti furion, into éclair. Et ça fait 6 à 7. Félicitations Cloud9. Vous nous avez fait mentir. Le furion va bientôt hors kit quand même. Hein. Et il va d'ailleurs TP parce qu'il a eu peur. Il va TP Fontaine. Ils aiment bien ça. Ouais. Bah non, c'est un peu. Ça résume bien le BO je crois. BKB TP Fontaine. C'est ça. Et là, parce qu'il y a une ace en haut sur Fata. Il est où Envy là? Je le vois plus. Ah, il est là. Il est à la fontaine. Tu le cherches? Il est à la fontaine. Bon, on sait pas trop ce qu'il a fait. Il est toujours devant son adversaire direct, le Rubik. Ouais, il a acheté des consommables, le Rubik. Donc, du coup, il s'est éloigné un petit peu de son ami Razor.
Alors, un TP de la part de Fatah, il est en ace, la fois qu'il était en ace, il a fait un double kill. Le stun qui touche, il y a beaucoup de monde derrière Burning, on va le lift et le mettre l'Uchilina, on va récupérer le kill. Bien joué de la part de Burning, derrière on a volé les oiseaux de la part de Faye, ça c'est le meilleur sort à voler. Attention à la charge qui va toucher Burning, mais qui ne le tuera pas. Misery va s'en sortir, leur Bob Burning ne tuera pas cette, cette Lina. Et il y a eu un troisième mort. Ah bah non, c'est... Ah non, le visage est mort aussi, on l'a pas vu. Mais le Rubik a volé les oiseaux, hein. Ça c'est un truc de malade. Hein. Comment c'est possible? Ah bah il a réinvoqué pendant le fight en fait. Ou il a pris son 6 pendant le fight, je sais pas. Et du coup il a pu lui voler directement. Pensant à Envy farm les bois avec son ulti. Technique très efficace au level 6. Et voilà, 2500 net worth, il dépasse maintenant le Spirit Breaker. Et il rejoint du coup, enfin presque, la Lina de Burning. Juste à peu près le double. Bonne 7, lui, pendant ce temps-là, il est toujours bien. Il est toujours Bonne 7 et Fatah qui sont là pour tenter de carry leur team. 7 qui va faire un Orchid fast. Ouais, pour essayer de shutdown la Queen of Pain, la Lina. La Cave, elle fait quoi, elle? Elle fait Eul, donc elle a compris. Et la Lina, elle fait Eul, donc elle a compris. Et c'est parti en bas sur Misery. Misery, il va peut-être falloir charger ailleurs. Il se fait lift, il se fait... Ah bah, il est mort. Il est mort, il n'a pas eu le temps de mettre sa charge malheureusement. Et Ferrari qui est en killing spree et qui rejoint la tête du Networks avec un mecha quasiment complété. Alors attention parce que au niveau de la course au Networks, du coup, le Bara est en train de remonter. Oh, effectivement. En même temps, là, à part si tu rajoutes 2000 de Networks à Envy, les positions sont respectées. Ah bon? Bon, à peu près. T'as 3 corps et des supports. Oh, il y a une bataille, ça c'est une bataille aérienne ça. 34. Ils ont même pas réussi, putain, les abrutis. Ça fait, je sais pas si elles font des dégâts, si les oiseaux font des dégâts aux autres oiseaux. Ah, si. Oui, ça va être considéré comme des creeps, je pense. Effectivement. 1 HP, grosse micro de la part de Notail. Et Roshan qui est en dépense de la part de IG, ça n'est pas vu du tout. On a une ward ici quand même qui va voir passer Schwan. Peut-être donner l'info. Ça pas ping. Effectivement. Ouais, ce BO a dû endormir les deux équipes, je pense, en même temps que tous les gens qui les regardent et les casters qui castent. Ouais. Du coup. Ils sont moins réactifs. Ouais, ouais. Pourtant, ils sont sponsorisés par Monster Energy et Red Bull. Les deux, ils sont sponsorisés par le jeu. Non, c'est rien, les trois. Monsters. Bah, Monster c'est Alliance. Monster c'est Alliance et Co. Mais Clona ils sont bien sponsorisés par les deux. Ils sponsorisent toutes les équipes, ces trucs. Oui, un des jeux. Les deux. Évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que probablement les équipes ont accès à des énergies drink qui devraient les aider à surmonter ce genre de game. Alors là, la clim est en train de nous faire. Après, le bruit que quand vous avez genre un verre vide et que vous aspirez avec votre paille. Je sais pas si vous voyez. Ce qui est un peu étonnant. Ce qui est un peu surprenant. Ah, il faut que vous votiez pour votre logo grenouille favori. Ça, c'est important. Venez sur le chat. Et venez voter pour votre logo grenouille. On va faire des t-shirts pour les TV qui vont être trop classe. Faut que vous choisissiez ceux que vous préférez. C'est important. Allez, on en voit. Mais non, il y a plus d'un kill par minute dans cette game. Mais oui, non, mais ça bouge énormément. Silence qui est posé sur le haut, qui va, oh, qui va courir. C'est bien joué pour s'en sortir. C'est quoi ça? Allez, le SF qui a complété son mecha et qui porte la Aegis. D'ailleurs, s'il y a un petit admin sur le chat qui passe, vous pouvez nous lancer un petit Stropol. On aimerait savoir au niveau des viewers si c'est le BO le plus chiant que vous ayez jamais vu ou si vous avez vu pire sur la Progativity. C'est une question qu'on se posait à la pause. Oh, le qui est posé sur le Razor. Stun Lina à la sortie. Et allez. Lina, c'est bien Burning qui KS. Burning, on lui a appris un combo avec ce héros, il respecte. Ah, il a bien raison. C'est la discipline avant tout. Exactement. Enfin, après, après la sécurité, bien sûr. Et bonne semaine qui ont eu de bien split push avec son pote Nonotail qui est à 0-4 pour le moment. Donc qui va TP top. Et qui se fait charger immédiatement par la même Misery qui est parti sur un début de Midas visiblement. Allez, la charge qui est annulée. Ça aurait pu débloquer sur un kill sinon.
Il y a des gens qui disent qu'il y a, eu pire quand même dans l'histoire de Dota que ce BO. Non, c'est vrai, quand il parle de la game qui a fini en draw avec Naga Siren, c'est vrai que celle-là était. Ouais. Celle-là était dure. Ouais, bizarrement, je l'ai casté aussi. Celle-là était dure. Celle-là était très dure. C'est vrai. Bon, le visage est mort pendant cela, mais il a réussi à sauver ses bébés oiseaux. Du coup, il est heureux. Non, c'était pas DAC. Non, c'était bien avant DAC. C'était en Chine aussi, mais. Ça devait être une G-League ou une G1 League. Non, c'était pas en Chine, c'était des équipes européennes. Ouais, c'était en Chine. C'était en Chine avec des équipes européennes. Ouais, okay. Ouais. Là, on a le combo gagnant. Ouais, c'est ça. Il y en a qui parlent aussi de la game qui a duré 2 heures à TI3 avec LGD, mais ça, on s'en rappelle tous. Mais celle-là était pas si mal que ça. Disons qu'étant donné l'heure et le contexte, c'était dur. Je pense que dans un autre contexte, ça aurait été plus regardable. Mais honnêtement, moi j'ai compris cette partie alors que j'ai pas compris les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y avait bien chiante quand même à TI3, toutes les parties. Les Chinois jouaient Weaver et qui faisaient que speed push avec et qu'ils arrêtaient pas de mourir. C'était quand même bien triste. Allez. C'était Zhao qui jouait Weaver tout le temps et qui arrêtait pas de mourir. C'est tellement la cible, Éternel Envie. Ouais. Donc là, on est sur une partie de chasse, Rashkit et Safari. Ah, ceci dit, il est mort que 3 fois. Le visage est mort 4 ou 5 fois ? 5 fois. Qu'est-ce qu'on en a 4 fois sur le Spirit Breaker. Mais les pauvres Bonseven et Fatah, ils doivent se demander un peu ce qu'ils doivent faire, quoi. On est quand même. Le mec a quand même Bloodstone 16 minutes, quoi. C'est quand même pas mal sur un. Alors qu'il y a 14-6 pour la team adverse, quoi. Bah, Fatah, il est bien. Bah, ouais, Fatah, il est premier networks. Bonseven, il a son Orchid et 2000 gold. Mais ça sert à rien, sa team est. Sa team est radée pâquerette. Il perd ses ozones, Nathalie. Il y a un problème quelque part. Allez, le sprout pour farmer de la part de Bonseven, ça rigole pas. Il va peut-être se faire go par contre là. Je pense pas, je pense qu'ils vont juste aller sur la tour mid et. Pas que ici il était. Elle était énervé quand même. Hein. Alors, on va aller prendre la tour mid. Clonan qui laisse tomber tout ça. Le Razor qui tente bien que mal de finir son drum. Et bien, c'est qu'il va sortir drum à Kula One minute 25 quoi. Ouais. Ah, peut-être un peu moins, ceci dit, il en est pas. Hein. Minute 20. Ah là, il fait des items cost effectifs parce qu'il arrive tellement pas à choper de farm que pourquoi pas. Ouais, mais genre, tu vois, quand t'as pas d'argent, est-ce que ça vaut le coup de dépenser le peu de nettoyage que tu as dans des items que tu vas revendre. Ah, c'est mieux que rien faire et remourir et rien faire. C'est vrai. Mais est-ce qu'il peut pas acheter petit à petit des gros items, genre un agrim toutes les 1000 gold, tu vois. C'est dur, 1000 gold, c'est vrai. Ah, pour c'est vrai. Ça a l'air dur pour lui. C'est vrai, ok. Allez, Dagger Creationist Prophet. Il va probablement plus s'en servir pour speed push que pour engager des fights. Bonseven il joue dans cette game bien sûr. Bonseven n'était pas là pour les phases de seeding parce qu'il avait il sortait d'une chirurgie à la mâchoire et donc il pouvait pas être là à temps. Mais il est là pour le playoff. Et il joue bien hein, malgré qu'il sorte de chirurgie. Ouais. Parce que moi j'en connais, il sortait de. Mais aussi d'opérations douloureuses du poignet et il se tenait des cochons. Non mais moi je trouve que. Oh, attention, ça va charger en haut sur Ferrari, leur kit qui est posé. Alors Ferrari il a un mecha mais il a pas encore de BKB. Et ce mecha va le sauver un petit peu mais il va finir par mourir d'hôtel qui fait la technique, la fameuse technique qu'on a beaucoup vu dans ce BO, c'est-à-dire je TP Fontaine, Misery qui va s'en sortir, Bonseven lui va mourir, c'était la bonne personne à récupérer, il va aller cher. Et c'est Lou qui va récupérer ce kill. Regarde ce que décide d'acheter le Spirit Breaker. Ouais mais il est pas dans la bonne équipe. Ah oui mais ils s'en foutent, il y a aucune des deux équipes qui fait quoi que ce soit. C'est alors. Pas grave. Effectivement. Du coup, ça va être un end of Midas pour lui, pour profiter de cette partie active. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est je trouve que, tu vois, les opérations sur lesquelles, moi, je trouve ça très tranquillisant. Parce qu'en fait, t'es tellement bourré de médocs, qu'après, tu vois, t'as un peu ce côté peaceful, très tranquille. Du coup, je pense qu'il est très détendu dans sa game, Bonseven. Et... tu vois, il pense plus à tout ce qui pouvait le distraire de son jeu, il est plus à l'aise, plus tranquille. Et je pense que c'est ça qui explique vraiment ses bonnes performances avec avec tous ses héros ce soir. Si tu le dis, moi ah j'ai oui, pas non. Les mêmes choses. Moi je vous conseille, hein, si vous avez un examen qui arrive, une échéance importante, faites-vous opérer.
Et vous verrez, vous serez en pleine forme du coup à la sortie de votre opération. Ouais. Alors moi j'ai un autre conseil, si vous avez un examen qui arrive, allez directement acheter de la drogue, enfin passez pas par la case opération. Vous pouvez être détendu avec d'autres méthodes que passer sur le billard. Oui mais bon, est-ce que finalement c'est la même chose de ne pas avoir eu le scalpel interdit? J'ai peut-être qu'il y a eu quelque chose qui se passe à ce moment-là, ton corps réagit. C'est la même chose sauf que quand la drogue s'arrête t'as moins mal. C'est vrai. Quoi? Non mais on vous répétera rien. Ouais, il y a des choses bizarres. Il y a des spectateurs qui nous distraient. Il y a des choses bizarres qui se disent. Bon, qu'est-ce qui se passe? On split push côté Cloud9. On push mid de la part de IG. 3000 gold sur la Queen of Pain. BKB arrivé sur le SF. La ligne à part à Ganim après une dagger. Il a écouté les conseils de Luciano, ouais. Joueur de haut niveau. Et Face, il s'est acheté une gemme et une killinblade pour enlever les wards. Ah, ce sera franchement, je pense, la première partie où je verrai Burning gagner avec un Intel. Mm-hmm. Si jamais ça se passe bien sûr. Il jouait pas des OD c'est... Non, c'est pas lui qui jouait ça. Non, c'est pas lui qui jouait. Silencer. Il jouait des Silencer, Carry, quand il jouait les bulles refreshers. C'est lui qui faisait ça. Tu rappelles pas? Ça n'a pas été très, très souvent, je pense. Mais peut-être. Si tu le dis, moi, je te fais confiance. Toujours. Ouais, chez DK, il faisait ça. Il faisait des Silencer safe lane, Ganim refresher. C'est fat. Alors, comment est-ce qu'une game peut finir en draw? Très bonne question. Bah, Naga Sirène. En fait, voilà, c'était une game où donc c'était Alliance Cloud9, Naga Sirène. On était à plus de 100 minutes de jeu. Il y a eu tellement de problèmes de connexion. À beaucoup plus de 100 minutes de jeu. On était presque à 200 minutes de jeu, oui. Dans celle-là? Non, on était à 120. Non, pour moi, ça a fini ça à 120. Ça a été la game la plus longue de Dota pendant un très très long moment. Hein. Attends, il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Attends, 200 minutes, ça fait 3 heures. Hein. Non? J'ai dit bêtises. Ouais, 200 minutes, ça fait 3 heures. Il y a des gens qui meurent. Burning est mort. Que se passe-t-il? Luo va mourir aussi à moins qu'il arrive à sauter. Non, il ne sautera pas. Tuez les zombies. C'est fini, The Walking Dead. On passe à la saison suivante. Ferrari qui va lâcher son ulti, qui va one-shot le visage qui était à son corps à corps. On va réussir à eux le Razor. Stun de la part de Burning qui a bien sûr buyback pour revenir. Et on va récupérer le Razor d'Eternal Envy. Et c'est le massacre. Non, allez vérifier l'histoire, les gars. Allez vérifier les timers. Moi, je me souviens, la game, elle a duré 3h15, pause compris. Ah bah voilà, pause compris. Mais il y a eu combien de pauses dans cette game? Au moins une heure. Ah ouais, donc on était à 2h de jeu. Ouais, 2h, 2h. C'est bon. 2h, 2h20. J'accepte. Raison. J'accepte. 2h, ça fait 120 minutes, passons. Si tu veux, tu m'enverles. Disons 120. Allez. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, il y a eu tellement de problèmes de connexion. Et en fait, à un moment, tous les joueurs de la partie ont déco. Et donc à l'époque il n'y avait pas l'autopause, c'est-à-dire que maintenant si un joueur déconnecte d'une partie en fait, le jeu va automatiquement mettre la partie en pause parce que voilà c'est logique. Et là donc tous les joueurs ont déconnecté à cause du mauvais réseau et les admins ne pouvaient pas mettre en pause et donc du coup les creeps ont pris un side tout seul comme des gants avant que les joueurs se reconnectent. Ça. Et après ils ont tenté de reload, ça marchait pas. Voilà, ils pouvaient pas reload, il y avait des problèmes et donc du coup. Il y avait un bug parce que justement il y avait le fameux héros qui faisait le bug avec les reloads là, je sais plus lequel c'était. D'accord. Et du coup, quand il pouvait plus invoquer, je sais pas s'il y avait. Il pouvait plus invoquer des pias. Il y a des trucs qui. D'accord, il y a des trucs qui marchaient plus quoi. C'était le bug à l'époque, mais. Donc, ouais, bref, ils ont dit ça fait 3 heures qu'on est dans la game, c'est pas possible, on arrête là. On arrête là, c'est match nul. voilà comment une partie peut finir en match nul. Et donc, il y a des commentateurs qui ont commenté cette partie. Voilà. Et donc, la Naga, elle a pris toutes les racks range. Parce que c'est les seuls qu'elle pouvait prendre. Et impossible de monter plus haut quoi. C'était juste pas possible. L'horreur complète. Il y avait des nécros partout. Ah c'était Elder Titan qui était buggé. Ah il était joué à cette époque, c'est bien possible. Hein. Bon bref, en tout cas c'était l'horreur complète. C'était l'horreur complète. Bon Envy elle a fini ses items. Hein. Attention. Du coup il part sur la suite. BKB. Misery avec son Midas est en train de rattraper son carry. On va faire un tour des items, tiens. Ça, on a vu. Les Shrak, il a complété BKB. Et ça nous permet d'arriver pile sur l'action, BKB, quoi. Un petit BKB TP. Le classique. Classique. Tu penses que Beastmaster va devenir first pick pour empêcher les BKB TP? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'un jour ce sera important. Ouais, je pense aussi. Voir un petit héros qui a un bash naturel comme un Void ou un truc comme ça pour tenter. Ouais, ou une chrono, tu mets une chrono, c'est bien. Ouais, une chrono, ouais. Encore mieux. Alors, ça, visage, médaillon, il part à Ganim, il est pas mal mine de rien ce visage. Bon, il est bas en networks, mais
Bon, tout à l'heure, il était à 900 networks, il était dernier. Ouais, c'est ça, il a fait sa remontée. Hein. Ça va. Misery, on a dit Midas, il part BKB, Bone Seven, rien depuis sa dagger. Queen of Men est sorti à Ganym. Undying a sorti un petit ring de régène. Ouais. C'est très important. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Je sais pas, peut-être un Shiva. Oh, il y a un ulti SF qui est parti, attention! Fata est mort. Fata est mort. Excellent kill. On a un giga paquet de chips qui arrive dans le studio. Ça, c'est, ah, mais ça c'est pas très cool. Parce il a Shadow Blade. Oh putain, ils ont éclaté le pauvre. Du coup, j'en arrivais au SF qui donc a Shadow Blade. Est-ce qu'il peut le grade pour faire un truc sympa? Il peut casser le passif du Razor. Qui est un peu c'est pas terrible. Pas ouf. Il peut l'enlever. L'Alina, elle a bientôt son Aghanim. Pas terriblement burning, si ça va. En fait, personne farme très bien dans cette game. Et le Ruby qui a complété un Force Staff. Et d'ailleurs, cancel son TP. Et pour info, ils sont à combien de GPM tout ça? Bah, je sais pas. Bah, oui, monte. Voir s'il en fait, j'ai pas mes raccourcis, j'ai pas accès au clavier, donc c'est un peu relou de changer. Ah. Hop. La dernière fois que j'ai fait un cast où j'étais pas sur mon clavier et pas sur mes setups, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur un bouton qui devait ouvrir un tab comme ça et ça a mis la partie en pause. Et depuis, tous les viewers m'en parlent encore. Oui. Donc maintenant, je suis un peu plus heureux. Je fais un peu gaffe parce que. Bon, le mec qui a mis la pause. On est sur la Dota TV, t'as pas à faire gaffe quoi. Le mec qui a mis la pause sur P, je veux dire que je m'en rappelle encore quoi. Je sais pas qui c'est, mais si je le croise un jour, je lui pète la gueule. Hein. Bon, on est sur du. Ouais, on est quand même sur GPM assez bas. Hein. Ouais. 500 GPM. Hein. Ah, Shiba a reçu un coup de fil. Donc c'est. Ouais, c'est probablement le ouais. Donc, il a reçu un coup de fil de Funzy, c'est ça? Ah, c'est probablement le. Je pense, du coup, j'ai peur que ma maison soit en feu. Ah, c'est oui, c'est probablement l'info la plus importante de cette game. On est quand même à 19-9. Je me rends pas compte si 19-9 c'est beaucoup ou pas. On va ouvrir les courbes pour voir les petits points là. Ah, il y a encore des petits points un peu. Mais tiens, mais on peut voir les courbes, tiens. Il y a un peu d'avance pour IG, mais pas beaucoup. Il y a un mec qui a activé un aspirateur à côté de nous. Oh, il y a 10 000 d'XP d'avance pour IG, putain. Ça, c'est beaucoup pour le coup. Ça, c'est des kills. C'est pratique d'avoir des kills, ça donne de l'expérience. Allez, on a tenté une petite smoke pour tuer des gens. Malheureusement, Cloud9 sont tous dans leur base. Les courbes donnent quoi? Alors, je viens de les montrer. Ah, désolé. Donc, il y avait deux. Non, mais t'inquiète pas. Je sais que certains viewers étaient aussi distraits et n'ont pas vu du coup les différentes courbes. Donc, Cloud9 a 2000 gold de retard. Ok. T'as acheté Brain, je dis à l'envers. Et IG a 7500 d'XP d'avance. D'accord. Donc, beaucoup d'avance d'XP. Ok. Mais peu d'avance de gold. Je pense que Cloud9 avec ses Killing Blade ne farme pas assez vite. Alors, information très importante, la Luna a Ganym. Ok. Combien de héros elle peut one shot en face? Alors, il est level 16, donc 950. Le Razor, non. Le Leshrac, non. Le Visage, non. Le. Putain, personne, non. Lui à la rigueur? Ouais, non, lui facilement. Passe. Ouais, lui, mais passe. Sur le E, le combo, ouais, le tue. Le combo. Allez, on va venir push du coup de la part de IG. Est-ce qu'on a une Aegis par le plus grand des hasards? On sait pas. Non, on n'a pas d'Aegis. Hein. MVP qui va venir défendre, qui a toujours pas son BKB. Qui peut se faire one shot. C'est un Aegis là, il est sur SF normalement, non? Ouais. Bonne remarque. En tout cas, IG, ils sont en train de se régaler dans les bois adverses. Ah, ça. Je pense qu'au niveau contrôle de map, ouais. Ils sont plutôt. Mais je pense qu'ils ont un petit problème d'objectif en fait, ils ont pas forcément compris le but du jeu. Et ils aiment bien voler des bois adverses, mais pas forcément tuer les gens ou prendre leur bâtiment. C'est dur de tuer les gens qui attendent dans leur base patiemment. Bah, tu peux casser leur bâtiment s'ils sortent pas. Ouais, bah oui. Ah, ils vont le faire. Ils me font mentir. C'est parti. Bien joué, les amis. Retournons fermer les bois tout de suite. Aïe, ça repop. Mais non, ça repop dans 30 secondes. Il faut aller défendre top là. N'oubliez pas de voter pour votre logo grenouille favori pour nos t-shirts. C'est important. Nos t-shirts? Les t-shirts font la TV. Je croyais que c'était des sweats à capuche et des. Ah, des trucs classe. Ça, on c'est m'a pas dit t-shirt, mais on m'a dit trucs classe. C'est toi qui choisis. Ah. Enfin, je crois. Hein. Je pense. Nous, on fait des. Ou des polos ou des chemises, quoi. Mais des t-shirts, c'est. Ah non, polo, on dit que c'était pas bien. Ah bon? Ah ouais.
on a eu une experte qui nous a expliqué qu'en fait, si t'avais un polo, tu vois, avec un petit logo classe, en fait, les gens, si vous voulez un petit logo avec un petit polo avec un logo classe, ah, ils iraient chez Lacoste. Voilà, ils iraient chez Lacoste, pas chez Frogget TV, quoi. Ouais. Donc en fait, on s'est dit, vaut mieux avoir des t-shirts thématiques. Faut mieux y avoir un truc moche. Non, pas moche. Juste un peu cartoonish, tu vois. Ouais. Tu vois, genre un peu. Genre que tu peux pas mettre en allant travailler. Exactement, par exemple. Non, mais okay. Tu vois, moi, je l'ai pris comme exemple, c'était les t-shirts Valve. Genre le t-shirt Brewmaster, le t-shirt Puck, ils sont. Oh, bah, je suis que t'as sur toi, par exemple. Ouais. Tu vois, ça se porte correctement, sans que ce soit trop exagéré. Bon, ça dépend dans quel boulot tu vas. Mais tu vois, moi, dans mon travail de caster Dota 2, je pense que je pourrais mettre un t-shirt Valve pour aller au travail. Tu vois, toi, par tu exemple. Peux, voilà. Ouais. Exactement. Et je pense que mon exemple est vraiment quelque chose qu'on pourrait prendre en généralité. Ouais. Pour dire que les gens, si moi je peux les mettre, eux pourraient les mettre aussi pour aller travailler. Parce qu'il y a un truc qui est très, très important à voir quand on est caster, c'est qu'on met le pantalon et le caleçon qu'on veut. On peut même ne pas en mettre si on veut. Par contre, le t-shirt, il est vu par la caméra, donc on peut pas vraiment tricher sur le t-shirt. Donc quelque chose qui est très important, et il faut vraiment garder ça de manière sérieuse pour garder une bonne image auprès de ses viewers. Du coup, est-ce qu'il nous faudrait pas un petit bob? Un bob Frogget TV, comme ça, je vais pour en le parler cast, au management. Mais ça, mais ce serait top, quoi. Un collier pour YouYou. Un collier avec des perles, avec sur les perles, on met des petites grenouilles. Mais comme oui. Ça, ça fait bien nos mots, tu vois. Parfait. Non, mais je pense qu'est important avec le Frogget TV, c'est que tu vois, on est ouvert à tout le monde. Tu vois, toutes les tranches d'âge, toutes les catégories de personnes, toutes les sexualités aussi. On n'y pense pas souvent, mais toutes les couleurs de peau d'ailleurs. Hein. Bonjour Marsu, seul noir qui nous regarde. Et je pense que c'est important de garder la communauté gay qui nous regarde. Qui sont souvent insultés, je pense. Attention, le four a brûlé. Allez, on va essayer d'aller faire Roshan. Mais Roshan n'est pas là, on a tué du coup le triant à la place. Qui ne donnera pas la légis, mais qui donnera 15 gold. Ah, il a bientôt à Ganym le visage, mine de rien. S'il ne meurt pas. Ah bah Roshan revient dans 30 secondes. Le Furion a acheté une Voidstone, prend pour faire une. Ah merde, j'allais dire Octaride, mais en fait il peut pas. Pour faire. Mais il peut rien faire avec ça. Si, il peut faire un Hex. Ouais, je pense qu'il va partir là-dessus. Probablement. Il a vu que ça marchait bien. Enfin, tout à l'heure, ils lui ont montré avec la coop que c'était important cet item. Effectivement. Ouais. Notamment contre les gens qui activent pas leur BKB. C'est très fort. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les drogues. Hein. C'est si tu prends les drogues qui te ralentissent, t'as pas le temps de faire ton BKB et du coup, tu te fais surprendre. Ça peut être extrêmement dangereux. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles comme drogue pour activer un peu les réflexes et... Alors, je suis pas un spécialiste. Pour moi, c'est le miel en tartine. Le miel. Miel en tartine. Oui, c'est très efficace, ça te booste. Attends, prends, tu prends un shot de miel en tartine, c'est t'es parti quoi. C'est pas légal. Ah pardon. Mais si vous allez en acheter en Espagne, c'est légal. Enfin, c'est pas légal de faire pousser un arbre à miel, mais c'est légal d'en consommer. Enfin, je crois que c'est ça la législation. Je sais pas. Enfin bon, je vais vous renseigner en tout cas. Je ne suis pas en train de vous pousser à des activités illégales. Allez, on va rentrer dans les bois adverses. La Queen of Pain qui va cancel. Comment elle l'a vu, je ne sais pas. Mais elle l'a vu. Le TP de Big Daddy Notel qui n'a pas vu faire la fameuse strat. Allez, du BKB. Le combo. Qui n'a pas BKB. Le combo de Burning, il est encore réussi. Oh là 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 là. Quel joueur. Et en plus, il récupère un oiseau. Et surtout, Schwan a volé le slow level 1. Qui lui permet d'aller slow Roshan. Il est passé à... Non, mais pourquoi t'as pas laissé la bounty à... Le respect des positions, ça m'énerve. Qui a pris la bounty? Schwan. Ouais, c'est Schwan. Oh non. Non, c'est Face. C'est Face. C'est Face. Maintenant il y a Burning. Attends, il y a marqué. Regarde, il y a marqué Rubik là. Oh. Je crois que c'était le. Oh, les infos, l'info sûre là. Ok. Bon, pendant ce temps, la Roshan est en train de mourir dans d'affreuses souffrances. La Elise va donner à Ferrari. Burning a pris le fromage. Attention, c'était la minute de silence. Ah non, je disais le chat, il y a un mec qui disait je regarde le stream anglais et je comprends pas ce que vous reprochez à la game. C'est juste qu'en fait, on a été un peu poussé à bout par les games précédentes. C'est pour ça.
Mais non, cette game. Cette game se passe bien. Oui, cette game est amusante. Cette game était. Bon, il se passe pas grand chose, mais honnêtement, ça va quoi. Enfin, c'est détente. On va noter que le dernier objectif déployé par Cloud9 était ici. Quand Bidani Nota il a débloqué une tour à la 18ème minute de jeu. Nous sommes minute 35. C'est ça. Mais à part ça, tout va bien. Mais à part ça, tout va bien. Je pense que les deux équipes savent qu'au tour d'après ça va être compliqué, donc du coup ils veulent profiter le plus longtemps possible du tournoi. Ah bah oui, le stade est beau, l'ambiance est là. Bon, ça t'est fait. Faut back. Retraite. Allez, body block. Ah, il va sauter par-dessus les allez, trop body chaud. Block. Oh, ça c'était bien il joué. Il a sauté deux en même temps. Un peu l'envoyé aux Jeux Olympiques. Ils gagnent pas souvent en plus les épreuves les Chinois, ça leur ferait du bien d'avoir une petite médaille. Non, en athlée ils sont pas. Ouais, c'est pas leur. Si, ils ont des grosses lanceuses de poids qui sont assez fortes. Ah, c'est vrai. Ça c'est aidé par le régime communiste. Ça qui est bien avec les Chinois, c'est que tout est égalitaire quoi. Protège l'égalité des sexes et du coup le sport féminin est vraiment mis en avant quoi. Bon, raconte-nous sinon comment va ton four. Mon quoi? Ton four. Mon four. Y a pas de problème, Fendi a pas tout fait brûler. Non, tout va bien. C'est bon. Ils trouvaient plus les clés de l'appartement en fait, ils étaient bloqués. Ah, ils étaient bloqués dehors. Mais je comprends pas, c'est d'habitude ils sortent pas et là ils ont besoin des clés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça, mais. Non, parce que si je dis pas de la dernière fois que Sox est sorti de chez toi sans les clés, il est revenu sans main. Il est revenu sans main, ouais. C'était un problème un peu. C'est ça. En fait, les clés étaient sur la porte, c'est juste qu'il avait pas cherché dessus. Ah, oui. C'est un peu. Ouais, effectivement. C'est vrai que les clés généralement sont rarement sur la porte. Non, je pense que s'ils ont cherché les clés, c'est à peu près l'heure du McDo, je pense. Ouais. Ah bah ce qui explique la sortie. Effectivement. Allez, on effectue un repli stratégique de la part de Clunan qui vont à TP à gauche. Et la Ganim du visage est là. La Ganim de Nota, il est là. Je rappelle que la game précédente, quand il a sorti la Ganim, ils ont gagné la game. Ouais. Là, il a 1-7-2. Je pense que ça va être exactement le même scénario. Il avait Solar Crest en plus. Et il est parti pour. Hein. Il est parti pour, effectivement. Alors, il y a plein de gens qui arrivent au mid. Schwan qui va effectuer un blink offensif et voler le split earth. Oh, bah pourquoi il l'a pas soulevé? Ouais, il aurait pu tenter, effectivement. Il a dû perdre la vision au moment. Ouais. Un petit coup d'arbre. Ouais, peut-être qu'il avait un problème de type petite bite qui l'a empêché de faire son combo. Ah, c'est dur quand même, c'est vrai, c'est cruel. C'est cruel et c'est raciste. C'est ça. Qui a dit que parce qu'il était bridé, il devait avoir une petite bite? Enfin, c'est pas très prouvé. Sympa, ça. C'est physiologiquement prouvé quand même. Mm. De toute façon, il suffit de regarder les. Je sens la 4. J'allais dire, il suffit de regarder les pornos japonais pour savoir que là où t'es censé quand même voir les plus grosses, au final, tu vois rien quoi. Ah, d'accord. Parce que je regarde pas souvent de pornos japonais. Ah bon? Et tu devrais ça par contre, parce que il y a pas de nation plus fun que les japonais en porno. Ah bah, j'imagine. Mais moi, quand j'ai envie de m'amuser, je regarde les inconnus d'habitude. Ils ont fait une chaîne YouTube. Et je garde le porno pour une autre utilisation. Mais bon, j'y penserai la prochaine fois. On va voir si. J'ai des vidéos, je te conseillerai, t'inquiète. Avec plaisir. On regardera ça peut-être ensemble en stream si vous voulez. Non, mais sinon, on pourrait faire un comparatif, tu vois, des différents streamers de la Forêt TV ou de Gaming Live. Mm-hmm. On pourrait demander à Gilles venir nous montrer son anatomie et vérifier si bah, voilà, ce qu'on pense vrai sur les. Sur pourquoi les pas est vrai. Et je pense que ce serait intéressant à faire en. Au burning, blink offensif. Oh dommage. Dommage. Après, on vient de passer officiellement les 20 minutes sans que l'on ait fait le moindre objectif. Ouais. Et ça peut continuer encore un petit peu comme ça, hein, je pense. Ouais, tout à fait. Ils ont encore une fois pas l'air pressés, quoi. Ah, Motmout connaît une fille depuis le collège. Oh, attention, l'ulti, celle qui est partie, attaque active BKB, mais qui se fait exploser par l'ulti Queen of Pain. Et il va. Magnifique. Oh, joli. Ouais. Il se suicide. Il s'est suicidé, mais je pense, tu vois, qu'il aurait activé BKB et TP instantanément. Il aurait peut-être pu s'en sortir. Mais effectivement. Mais son TP était. Je crois que son TP était en CD. D'après. Tu remontres un peu le stuff du Lelèche. Ah, son TP. Et voilà. D'où la Bluestone qui va être BKB et Bluestone. C'est ça, on laisse jamais un kill. BKB
TP. Bon allez, on va venir push, on se prend le Kid Furion, ça fait mal, on se prend un rond Razor, mais on cancel ça avec le Mechanz de Lundying et la tour qui commence à être bien entamée. Notel qui se fait ping et qui va faire sauter dessus par Schwan. On le ramène dans le combo de Lina, c'est magnifique. La charge de Misery qui n'aura pas de follow-up. Ouais. On continue à mettre des ronds Razor, là on tombe. Qui permet de bien protéger pour le moment IG, alors que... Pas de buyback possible hein, sur... Pas de buyback possible, il a des oiseaux ou pas? Mais tu remarques quand même la puissance de push de leur line-up hein. Ah c'est impressionnant, et la charge qui va arriver, la tombe qui est quasiment terminée. On active le BKB de la part de Eternal Envy, on va mettre le all-in sur Burning. Burning qui va mourir, tué par Fata et son ultimate. On va récupérer Luo aussi, attention à Ferrey qui est coincé pour le moment dans les arbres et qui tente de man-up autant que possible, mais qui va tomber. J'ai l'impression qu'il va activer son cheese et se remettre full HP et se faire traverser par une vachette complètement folle qui va atteindre Face derrière le leaf qui devrait arriver de la part de... Non bah non, le stun, les shrags bien sûr, qui arrive de la part de notre Rubik National, qui va réussir à se force staff pour le moment TP de la part de Face, mais il a pas de BKB, c'est pas grave, ça passe quand même. Blink de la part de Schwan et on va perdre que les trois corps. Gros travail des supports IG qui s'en sortent indemnes, et Cloud9 sauf Serax. Sauf Serax, c'est-à-dire que cette partie n'est pas près d'être finie. Non, 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 bah là. Ah ça. Là, il va falloir retourner dans la base et tout, ça veut dire retraverser la map. Ah oui. Et traverser la rivière, se mouiller les pieds. Oui. Prendre oui. du sopalin parce que sinon ça fait froid. Et avant ça, faut aller acheter les petits brassards canards jaunes. Pour pouvoir survivre à la traversée de la rivière au shop secret. Mais bonne semaine, il dit son DB pour traverser la rivière sans se mouiller les pieds. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que si Cyclonine fait tous des travels évolués, les travels numéro 2, ils peuvent TP le Furion, TP sur le Furion derrière, et hop, il se mouille pas les pieds. Et histoire d'aller plus vite, on TP Furion, on invoque des arbres et toc, t'as même pas besoin des travels améliorés en plus. Mais oui, c'est 2000 gold moins cher. X4. Franchement, c'est la solution. On vient de sauver l'économie de Cloud9. Alors, l'économie des Chinois se porte bien. Oui, bah de toute façon. Comme souvent. Ils ont prêté de l'argent au monde entier. Donc, attention, ils volent. Mais ils ont pensé à tout. Mais oui, regarde, ils touchent pas la flotte. Ils ont triché. Pensé à tout. C'est triché, bordel. C'est Cloud9. Je comprends pas qu'ils aient pas dépassé la rivière plus tôt avec des héros comme ça. Ouais. Bah, le Shrak, il a 4 jambes, donc ça compense parce qu'il a froid aux 4 pieds. Bon, en tout cas, une partie qui est de plus en plus excitante. On va tenter une smoke pour sortir de la base par DayG. Et est-ce que le Razor a des pieds? Parce que je crois qu'il vole un petit peu le Razor. Ouais. Mais attends, on va juste voir le Spirit Breaker qui va mourir. Caméra Dota Cinéma. Attends, on va juste voir lui là. Ah ouais. Lui il va mourir là. Ah non, lui. Bon non. Bah non. Hein. Okay, c'est bon. Alors. Pas sûr. Oh. Oh, pas sûr. Il a été ping. Effectivement. Ah bah non, il va pas mourir. Mais c'est bon, on peut aller voir du coup les pieds du Razor. Ouais. Et confirmer notre suspicion, c'est bien qu'il est en suspension. Ouais, c'est ça, donc lui aussi peut passer l'arrière. Maintenant, attention parce que. Oh, ça t'est fait. Est-ce qu'il est en suspension par rapport au niveau du sol ou par rapport au niveau de l'eau? Si c'est par rapport au niveau de sol et qu'il y a beaucoup d'eau. Faut qu'on se mette en Dota Cinéma dans la rivière. Quand il est dans la baie, on peut pas se mettre autrement. Parce que s'il est en suspension 1 mètre au-dessus du sol et qu'il y a 50 cm d'eau, ça va. Mais s'il y a 1,50 m d'eau. Ah là, effectivement. Si vous avez joué à Pokémon, vous savez que l'électricité et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Ouais, rarement. Il suffit pas d'avoir joué à Pokémon d'ailleurs non, pour savoir ça. Il y a beaucoup, de... beaucoup d'exemples. Ouais, Naruto par exemple. Oui, exactement. Tu vois, ou Claude François. Allez, smoke. Ce qui est bien, c'est qu'il reste deux BO après celui-là. Et les mecs sont toujours en CD de smoke, hein, tu le sais. C'est fou, hein. C'est impressionnant. Ils sont toujours prêts à l'action, quoi. C'est ça. Oh attention, la charge qui est partie sur Ferrari, on va lui mettre l'ulti de la part de Misery, le Hex qui est posé. Il y a un Hull, il est Glimmer Cape, il est complètement absent, il y a un gros du Queen of Pain, Eternal Envy qui est en train de mourir et il va mourir. On a perdu le leader spirituel côté Cloud9, on va tenter de reculer, attention à Fata, est-ce qu'il peut suicider? Non, il faut qu'il tempo 29 secondes pour suicider. Et ici du coup de se retourner et de prendre le fight, il va mourir, la charge de la part de Misery qui va traverser tout le teamfight et s'en sortir. On a coincé Luo dans les arbres. C'est incroyable. Et c'est un 2 pour 0. Mais comment vont-ils faire pour push sur la Queen of Pain? Oh, la Queen of Pain est sortie des arbres. Félicitations, Roshan n'est pas là. Schwan est déçu. Mais on n'a pas le buyback sur Elvie, on a perdu en fait. Mais là, ils vont pas push, hein. Ils vont attendre Roro. Mais pourquoi il n'y a pas de Razor? Ah, mais ils savent pas qu'il peut pas buyback. Effectivement. Du coup, ils vont aller faire Roro. Mais c'est Envy, donc la sécurité avant tout. Mais non, mais tu testes, tu tentes. Ouais, c'est vrai. C'est Envy, enfin, c'est normal que tu tentes. Allez, ils testent. Attention, allez, full life. Oh, ça va vite. Et ça tombe. Et ça tombe, la première Rax. On enchaîne la deuxième Rax maintenant. Oh, ça tombe aussi, impressionnant. Alors, la T2 en haut est pas pris, donc
Donc c'est la merde, on peut pas continuer. On aurait pu aller en bas. Ouais, mais... Mais 15 secondes sur le Razor, la sécurité. Avant tout. Exactement. Tout à fait. C'est important. Oui, je pense que c'est important de. Non, il faut souligner. Le dire et le redire. Hein. Enfin, vous, travailleurs français, tous les jours dans votre boulot, la sécurité avant tout. Surtout si vous êtes en atelier. Non, pas que si vous êtes en atelier. En fait. Partout. Enfin, franchement, partout. C'est. C'est clair. Par exemple, si vous êtes écrivain, attention avec votre stylo, quoi. Ouais. La sécurité avant tout. Il y a eu des accidents. Mais évidemment. Il y a eu des accidents. Est-ce que mais on n'en parle pas assez. Non, mais dans les médias assez. Corrompus. Est-ce que tu as vu Batman et le Joker? Bien sûr. T'as vu l'accident avec le stylo? Voilà. Au moment où il disparaît. Exactement. T'as pas vu? T'as pas vu ce film? T'as, il fait un tour de magie, le Joker, avec un stylo. Ah, le stylo. Merde. Et le stylo, il disparaît. Mais... Putain. Oh, attention. Oh, burning, non, t'es un peu hors de position. Mais là, il a BKB. Est-ce qu'il y a un TP? Il n'y a pas de TP, ça ne passera pas. Oh, l'ulti Spirit Breaker qui traverse aujourd'hui tout le monde. Ferrari qui va tenter de lâcher son ulti peut-être. Il est au corps à corps de plein de gens. T'as l'envie qui n'est pas bien, effectivement. Il faut pas perdre le leader spirituel une deuxième fois. Il va peut-être s'en sortir. Non, Ferrari par contre, qui sur le côté est mort à son tour. Luo qui va être ex et qui va tomber sur la droite du champ de bataille. Burning Kabayback, Queen of Pain Kabayback elle aussi. Face qui va se forcer pour aller acheter un TP et rejoindre sa base chérie. Et on va aller faire Roshan côté Cloud9, ouais. Qui nous prouve bien que bah y a une personne qui meurt toujours dans leur teamfight. Putain, ils ont fait 6000 gold et 8000 d'XP. Ouais, oh, ils devaient être c'est beaucoup derrière hein. Eux. Hein. Ouais, un petit peu. Non, Et pas de buyback sur le SF aussi, hein. Ça, c'est pas très très cool quoi. Effectivement. Oh, il est parti, il charge, ouais, il charge. Ziric est parti, hein. On va voir ce qu'il tente de charger. Là, il est tout seul, hein. Le Leshrac. Non, il y a TP Furion. Ah, mais en fait, ils ont vu la Queen of Pain qui est là-haut. Enfin non, je sais pas. Je sais pas. Okay. Non, je ne sais pas. Ah bah si, il avait chargé du coup, il a voyé. Obligatoirement. Habile. Bon. Bah tiens, hop, on fait un petit éclair pour Bonne Seven, pour Speed Push. Ah bah voilà, on a le Solar Crest. Et au moment où Notary a sorti le Solar Crest, directement Clonine prend l'avantage. C'est vraiment le même scénario qu'à la même précédente. Et t'as l'envie donc qui est encore mort. Et ça c'est très important. Le Lotus Orb qui est complété pour Misery. Ça va être de renvoyer le Poison King of Pain, le Soul Rip Undying, le E-Lina, l'Ultilina, le Vol de Spell. Non, ça marche pas. Le Lift Rubik. Il se double Lift, tu crois? J'ai jamais vu ça. Pense, ouais. C'est un peu comme le Steel Bane. Ouais, effectivement. Et du coup, on va farmer les anciens. Et déjà 47 minutes au compteur de cette partie. Hein. Et non mais surtout ce qui est important c'est que Notail, que Cloud9 regarde, après cette grande période de blanc là, là ils ont dit on reprend le fight. Ouais. On a parlé des 20 minutes, tu te rappelles quand on a parlé des 20 minutes? Et bah, c'est là. C'est effectivement, c'était le fameux créneau des 20 minutes. Et derrière, hop, voilà, on voit qu'ils sont repassés devant en termes de gold et en termes d'expérience, le tout avec un side. Non, pas encore d'expérience. Mais presque, le tout avec un side de tombée. Donc, et là du coup c'est la panique et on va avoir 20 minutes de farm de IG maintenant. Ah oui, je pense. Au moins. Je pense. Attention à ne pas farmer sur la Lotus Orb, ça pourrait faire mal. Bon, j'ai quand même dit 2-1 IG, donc ce serait bien que IG gagne quand même. Ouais. Je te sens un peu moins confiant là depuis quelques secondes. Depuis quelques secondes, beaucoup moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Petite hors position Burning et Burning Lina. Ah yeah, effectivement. Ça c'était annoncé au draft que ça allait poser problème à un moment de la partie. Ouais. Et on s'en rend compte maintenant. Et voilà. Et l'apparition du Lotus Orb en plus. Ouais, ça fait un facteur supplémentaire à prendre en compte pour lui. C'est ça. Et là, ça fait beaucoup. Là. Beaucoup de spells, plus en plus regarder les items des autres. Ouais, voilà. Parce que sinon, voilà, 320 CS, on est dans les standards, enfin un peu en dessous. Mais... On est très au-dessous du standard burning. Je me rappelle, au DAC par exemple, nombre de last hit moyen de burning, aux alentours des 600. Oui, mais combien de Médusa? Ça change pas. Bah, ça triche. Ouais, c'est pas pour... Tu peux taper des last hits, on est sur des games de 48 minutes. Tu peux taper autant de last hits avec une Médusa qu'avec une Lina. Hein. Oui, d'accord. Mais tu mets plus en danger. Ouais. Sachant qu'avec sa Médusa, il avait généralement environ 4 personnes derrière lui. Environ. Pas plus. Parfois 3, parfois 7. Mais généralement 4. Bon, 7 avec les deux nécros. Il va faire des. Une MKB probablement. Fatal part sur une Octarine Core qui est vraiment l'item de Cloud9 visiblement. Nombre d'Octarine qu'on aura vu dans PO. Seulement chez Ted.
Et on va venir push en bas du coup. Envy qui nous fait exactement le même build. Ah, il a pas d'aghanim cette fois-ci, il a fait BKB. Ah, est-ce que c'est pas core aussi sur Lina, l'Octarine? Parce qu'au final, comme tu proc plus souvent tes spells, tu peux peut-être atteindre plus de stacks sur ton attack speed. Effectivement. Oui. C'est une bonne remarque. Mais il y a tellement d'items à faire sur Lina que c'est un peu relou. Ouais. Voilà, hop, Lou qui tue les creeps. De toute façon, Cloud9 était parti. Roshan n'est pas là avant. Mais ils ont pas. Il n'y a pas une Aegis à un moment? Ah bah si, une Aegis, mais allez faire quelque chose avec l'Aegis là, c'est quoi ça? On va farmer. Ah bah oui, farmer. Attends. Les Octari ne sont pas encore terminés, Fata pourrait acheter la sienne s'il le souhaitait. Et il conserve du buyback. On sait jamais. Non mais là, ils ont traversé la rivière, c'est nine, c'est pas bon. Ouais. Je sens qu'ils vont mourir. Ouais, mais je sens qu'ils vont attraper un rhume moi surtout, ce qui va les désavantager en teamfight. Allez, on continue de farm partout. IG, comme tu le proposais, décide de rester dans sa base. Dagger Force. Il est bien le Rubikin, putain. Ouais. Ils ont du stuff, les supports. Heureusement, hein, parce que. Oui, ils n'ont pas de vrai carry, hein, donc faut que tout le monde ait du stuff chez IG. C'est vrai. Bonne remarque. En même temps, il n'y a aucun vrai carry des deux côtés. Il y a des trucs pas mal, quoi. Ils ont des trucs qui right-click quand même. Un Razor, au final, ça fait quand même un bon right-clicker. Enfin, avec son stuff, il tape à 116 quoi. Ouais, bon. Oh, c'est l'ulti qui fait les dégâts quoi. Ouais, c'est l'ulti sans aga qui fait des dégâts. Ouais. C'est pas son stuff Razor, j'aime pas du tout. Hein, personnellement. Effectivement. Je suis pas. Mais le Furion, ça peut right-click pas mal, hein, Furion. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est son stuff quoi. C'est pareil, il tape à 280, minute 51. On est quand même pas. Bon, le SF, t'as plus fort quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est le SF le plus gros late de cette partie quasiment. Oh, on a chopé Fata, il a perdu l'Aegis. Il vient de perdre l'Aegis. Oh, c'est terrible. Misery qui va tracer le fight et on va essayer de désengager. J'ai l'impression, modèle qui a failli tuer Burning, mais qui n'a laissé que mid HP. Misery va se mettre le Lotus Orb. Et c'est la mort. Et pas de buyback sur le Spirit Breaker. Gem of True Sight abandonné ici. Et il a perdu l'Aegis, mais je sais pas à quel moment il a perdu l'Aegis, mais je pense que c'était vraiment il y a pas longtemps. Mais. C'est pas pardonnable, il était du mauvais côté là. Regarde, là il a l'Aegis là. Ah, il y a Juna qui vient lui dire bonjour. Coucou. Salut Juna. Regarde, là il a l'Aegis. Hop, là il a perd. Et à ce moment là il se fait attraper quoi. C'est vraiment pas de bol. Juna, tu veux lui dire quelque chose? C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, mais beaucoup, c'est exactement ce qu'on explique aux apprentis streamers, c'est il faut vraiment manger le micro quand tu parles quoi. Ouais. Et là Juna vient de faire une grosse démonstration de comment manger les micros. Suivez-vous aussi. Allez, viens sur le canapé. Et la game. Merde, il y a eu un kill. Excusez-moi. Bonne Seven est mort. Et on tente d'entrer en Shadowblade dans la base adverse de la part de Ferrari. Juna arrête de me déconcentrer. Il y a une baffe qui est partie sur Envy. Envy qui se retrouve avec une marque rouge sur la joue gauche. Les oiseaux qui split push. Dire's top tower is under attack. Et des gros dégâts qui sont infligés hein, directement par Bitany No Tail avec ses oiseaux. Il faut défendre un jour les gens. Ah, il faut défendre effectivement. On me signale l'arrivée de Luo. Mais attends, du coup ils ont tué un mec à l'entrée de sa base. Ouais. Ils ont mis une baffe à un mec là et après ils ont back. Ouais. Bon, Juna revient là, il se passe rien en fait. Et le mec pouvait pas buyback. Ah si, il pouvait buyback. Pardon, oh là là. Ah bah c'est si. Un bon joueur, c'est Bone Seven, lui il peut. Un joueur sérieux, Bone Seven. Ouais. Très très sérieux. Allez, 4000 gold sur Talent Envie. Oh, joli stun pour préserver les familiers de la mort certaine qui les attendaient. Il faut les tuer ces familiers un jour. Non, regarde, ils vont les envoyer là. Hop, ah. La Queen of Pain va blink. Et là, il y a Envy qui l'attend, regarde. Ouais, Envy meurt. Peut-être. C'est la conclusion du move. Peut-être, mais il l'a pigeon, c'est ça qu'il faut retenir. Et Envy TP à la fontaine. Allez. Ah, pas tout à fait fontaine. Ah non, pardon, à la base. Décomplexé. Yeah. Bon, on a perdu le timing du Roshan. Mais il n'y a plus d'Aegis, on dit, il l'a perdu tout à l'heure. Oh, attention! Ouais, attends, oh le sprout! Ouf, magnifique. Ah oui, alors ça c'est beau. Ferrari qui repasse devant Shadowblade. Oh le livre qui est parti! C'est Fata! Oh mon dieu, ils ont éclaté! Tous les deux, je sais pas comment. Oh, c'est parfait. Mais il utilise Queen of Pain, je pense. Allez, on y va l'équipe! Allez, la base vous attend! Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose à la sortie?
Affichons le récapitulatif. D'abord, on tue les familiers. Bam. Ils payent. L'ultivisage est en cooldown. Le speed push, c'est fini, t'entends ? Ils venaient de les réinvoquer. Hein. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème majeur pour l'économie mondiale. Pardon, pour la caméra. Allez, faut forcer les buyback. C'est quoi cette bébé charge ? Bon, je sais pas. Il s'est perdu. Oh, il a volé ulti ! Il a volé ulti les Shrak, il le défonce ulti les Shrak. Ok, et il a pas de buyback lui. Hein. Ça, c'est un petit problème, mon petit Misery. C'est un petit problème, il va falloir prendre la défense. Ah, 3 pour le moment, 4 dans 20 secondes. Notail a un buyback, mais il ne veut pas l'utiliser. On va temporiser pour le moment avec la glyphe. On a sorti l'ulti de la part d'Eternal Envy. Allez. Le sprout, vous pouvez le faire. Sert à rien. Oh, le la part de choix, on est parti sur Envy. Et l'ulti-cop, encore une fois, qui est magnifique. Bonne 7 sur le dessus, tente de man-up, mais il va mourir. Il y a un Hulk qui est parti sur le dessous, mais il ne reste plus personne si ce n'est Fata. Buyback de la part de Envy. Il faut défendre Syrax, peut-être deny l'Arax. Le deny est loupé de la part de Fata. On va tenter de reculer de la part de Lou. Il y a un Hulk qui est parti sur le dessus. Notail qui prend l'ulti de la part d'Alina et qui va mourir. Fata qui court dans le tas avec l'ulti activé. Le SF qui est coincé dans le sprout, qui lâche une petite affaire pousser. Cloud9, on ne perd pas de points de vie de la part de IG, tout simplement. Ah si, Lou perd des points de vie. Et double buyback côté C9. Et là, il est bien chargé, je crois qu'il s'est bien chargé le Razor. Ah, il a plus 140. Ouais. Il va pas mettre des petites tatanes. Tatanes, exactement. Glimmer Cap. Le Duke qui passera pas. Et on va récupérer les boobs, les boobies. La double gemme qui a récupéré, mais Cloud9 est. Sans Rax. Dans la merde. Exactement. Mais sans Rax non plus, il en reste plus que 2 en haut. L'effigie de Big Daddy Notail. Il en reste pas une en bas quand même, non ? Ah non, non, ah si. Ah si, si, si. L'effigie de Big Daddy Notail. Ah oh, oui, regarde-moi ça. Parfait. L'effigie des talents vie, useless. Je crois qu'on est en plein dedans. On parlait de la guerre de Network, d'ailleurs, il est quasiment au même niveau que Misery. Misery qui pourtant reste sur une série de 3 morts d'affilée. Et 56 minutes 53 de game. Bientôt l'heure. Ce BO aura duré quand même très longtemps. Trop longtemps ? On peut pas savoir. C'est vrai. C'est vrai qu'il est pas encore fini. Oh là 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 là. Quelle partie non, en non, mais tout je cas. Comprends, je pense que les fans de Senai en redemandent. Oh oui, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas que les fans de Senai. Je pense que tout le monde est en train de prendre une vraie leçon de Dota aujourd'hui. Et on a tous des leçons à tirer de ces parties. Voilà, de parties de ce niveau de jeu. Là, attention oh. Le coursier qui s'est fait. C'est quoi ça? Rochad qui s'est énervé. Il a dit non, Rochad. Passe pas au-dessus de moi, toi. You don't scotch me. Je crois qu'Eternal Envy va pas One Dota 2 aujourd'hui. Oh attention, attention Envy qui se fait éclater Ultilina et il active son cheese. Il a envie du coup, le Queen of Mine est beaucoup moins bien que sur la dernière fight. L'ulti va à la charge du Spirit Breaker qui tient Envy en vie pour le moment. On va essayer de le finir, il a tué Burning. Il va mourir derrière, Shroni est coincé sur le dessus, il devrait mourir à son tour. On est pas mal côté Clonan puisqu'on a tué aussi Ferrari qui a déjà buyback. Ouais, attention, oh, on peut pas perdre plus parce qu'il peut pas buyback. Ouais. Et là c'est Envy qui a fait le fight, hein. Juste en activant son cheese parce qu'il force la Queen of Mine à commit sur lui. Et il tue la Lina comme ça. Mais il a trop bien joué alors. Mais oui. Et du coup, je pense qu'on peut aller casser son effigie directement dans la partie. Parce que non Envy, non Jackie, tu n'es pas useless. Tu sers à quelque chose, tu peux toujours servir à quelque chose. Il y a toujours de l'espoir. Par contre, n'oublie pas de prendre le cheese. Et on a TP à la base. Il y en a bien sûr TP derrière, à la base. Bien sûr. Pour venir défendre de la part de Cloud9. Pourtant, à mon avis, ils avaient une petite fenêtre de 75 secondes où ils pouvaient peut-être gagner cette partie, tu vois. Ouais, effectivement. Les fameux 75 secondes où la Lina n'avait pas de buyback. Ouais, mais non, on recule. La reculance. Et du coup, bah, on va sûrement perdre cette game. Parce que... Qui sait ? Il y a tellement de surprises. Il y a eu un cheese ou pas ? Parce que, est-ce qu'il peut refaire la même, là ? Ah oui, bien sûr. Mais c'est lui qui la regarde, c'est lui. Sur bébé. D'accord. C'est-à-dire qu'il a sorti un nouvel item, je pense. Ah ben non, il est mort, il peut pas le prendre. Il peut pas prendre le cheese puisqu'il est mort. Ouais. Ah mais du coup, ouais, ça va et du coup c'est la fail de la strat de Cloud9. Comme Envy est mort, il ne peut pas prendre le cheese. Et du coup c'est un problème. Allez, on achète des wards et des sentries de la part de Chouan, hein, qui montre bien l'envie de IG de prendre l'avantage dans cette dernière partie.
Putain, j'ai une partie du chat là qui est cachée par l'écran. Ah, redécale-le un je peu. Je vais parce te que... lire. Sauf vous plaindre, c'est 10 fois plus intéressant à voir que le jeu fade de Secrets. Ok. Voilà. Donc le mec, effectivement, pour donner du poids à son argument, s'appelle Chocolatine Lilloise. Bon, aucune des équipes du coup qui ne tente. Oh, t'as vu cette stratégie là ? On met en place la technique de la tapette là sur la minimap. C'est Misery hein, qui décide de mettre en place la technique de la tapette. On va voir si ça a marché ou pas. J'ai peur qu'elle bouffe un câble ou qu'elle se prenne dans quelque chose. Ou... Non, t'inquiète. Elle bouffe pas les câbles. Non. Okay. Elle aime bien le saucisson et les croquettes. Mais les câbles, non, rien. Elle a goûté une fois chez moi et puis depuis, je n'ai pas. Au saucisson ? De quoi ? Au saucisson ? Non, au câble. Au câble. Elle a mangé mon câble Ethernet une fois. Non, le saucisson, on a un bout de saucisson qui a disparu là, miraculeusement pendant la semaine. Et on se posait la question, mais c'est toi qui l'as mangé ? Où est-ce qu'il est passé ? Et puis là, il y a Jonah qui regardait avec son regard malicieux. Du coup, on s'est dit, ah bah oui. Elle avait compris. Elle avait compris. Elle a compris. Ah non, mais elle est maligne. Hein. Ah, attention, on est devant la base. Oh, team fighting coming. Double raise à part de Ferrari peut-être ? Non. Oh, le joli Shiva de la part de Fata qui n'a touché personne. Et ça a bien déblayé les creeps des deux côtés. Ouais. Et y a un chic, regarde, qui porte une smoke. Ah. Et ça peut être intéressant. Ça va être la feinte alors. Ah bah je pense. On envoie un sprout. Oh, un sprout qui va être révéler la position du Shadowfin. Pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Oh, le Shiva qui a touché sur. Oh, oui, ça rebondit. Peut-être le moment où ce Shiva connect. On a volé l'édict. Oh, on a volé l'édict. Attention, Fata. C'est bon, la tour est prise. Le Stone Shrek a pas touché de grand chose. Envy qui va courir dans le temps. On lui a mis le Lotus Orb. Il est en BKB un tout petit peu précoce. Allez, ça y est, c'est parti. Oh, le Hex. Oh mon dieu, il s'est fait éclater. Pas de chi cette fois-ci. Fata va mourir. Lui aussi, il avait la gis. Il va pas tarder à revenir. Mais Notay, il l'a abandonné comme un lâche. Il va TP Fontaine. L'ulti SF qui accompagne Fata à son rip-hop. Mais il a le temps d'activer son BKB. Il est toujours en vie pour le moment. Mais il va se faire tuer à coup de baf de l'Undying. Et c'est un 3-0. Pas de buyback sur le visage. Pas de buyback sur Envy. Pas de buyback sur Envy. Mais t'as jamais de buyback, gros. Jamais. Ah, mais il est en buyback. Il est en CD, c'est pour ça. Ah, c'est bon, il l'aura. Ah, c'est 18 secondes. Il l'aura. Alors on nous signale, certains de nos analystes nous proposent à IG de push. Ouais, mais comme on vient de le montrer, il y a du buyback sur tout le monde devant la base. Effectivement. Du coup, autant aller farmer. Et il y a surtout de l'eau dans la rivière. Ouais, mais tu fais pas péter les buybacks pour qu'ils puissent en refarmer. Quoi non, tu mais... t'en fous de farmer. Si tu veux finir cette partie, faut pas faire péter les buybacks, sinon les mecs refarment les buybacks derrière. Du coup, ça prend encore plus de temps. C'est quoi ça? Bon, en tout cas, cette fois-ci, si le SL1 aura du retard, ce sera pas forcément seulement la faute de l'organisation. Bonne Seven qui est bien caché, ça ouais, va charger ouais. Sur Burning. Ils vont y aller là, sérieusement? Bien sérieux. Sûr qu'ils vont y aller. Blink X. Oh, le Force Staff, on lui fait gagner du temps. Il y a la Glimmer qui peut être encore posée. Oui, il active son BKB. Burning, il va se retourner. Le combo. Ouais, mais le combo sur un mec en BKB, c'est compliqué. Envy qui se colle au corps à corps. Le E, il est bien joué. Luo qui met encore un ulti parfait pour aller tuer ce Razor. Misery qui est en train d'essayer de tuer Burning. Est-ce que le Mjolnir va prendre? Il est en vie. Il s'en sort bien sûr à 8. HP, Fata se fait voler le stun, il est stun contre stun, triple stun, il est mort. Ouais. Buyback par du Spirit Breaker. Osh One, c'était un peu optimiste. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir face à Bonne Seven? Non, enfin et oui. Ça joue à 2 HP, là ça joue bien. Ouais, ouais, et on va peut-être essayer de continuer derrière sur Big Lee No Tail. Je propose qu'on tue une T2 à 63 minutes de jeu. Allez. Tue la T2, bordel. La proposition est refusée par Edgy qui décide de passer derrière la T2 tout simplement. Ouais, c'est bon, ils vont se retourner. Et on va venir push au mid. Allez, c'est le dernier side à prendre. Clone9 qui est à 2 racks de se faire éliminer. Notel qui va prendre le fight, qui stun into j'envoie des dégâts. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Il y a plus de racks. On est contre les méga clips maintenant pour Clone9. Attention, Notel qui s'est fait attraper, qui va se faire éclater. Il a pris cher quand même, Burning. Ouais, je pense ouais. Qu'il y a eu la Lotus Orb qui a été posée. On va perdre Bonne Seven. KB qui est mort pour 116 secondes. Notel qui tente, Misery qui tente de fuir, pardon, qui va chercher l'ouverture pour le moment. BKB à la sortie peut-être, c'est activé. Est-ce qu'il peut toucher des bashs? Non, pas de bash. Le GG est annoncé. Clone9 qui décide
de laisser filer cette SL1. C'est incroyable. Oh là là, quelle tristesse dans les yeux du public. Ouais. Ils ne reverront pas que le 9 ait tellement envie rejouer. Et on voit IG qui explose de joie, hein, qui saute sur ses sièges. Et c'est un coup dur quand même pour toute la nation allemande qui voit Fata sortir de ce tournoi. Il n'y a pas d'autre Allemand, il y a Kuroki. Il y a Kuroki. Heureusement, il y a Kuroki qui va sortir au prochain BO, c'est ça ? Contre Fnatic ? Ouais. Ah d'accord, c'est annoncé alors. C'est annoncé. Moi j'ai pas peur. 32 clés. J'ai une petite hésitation, on y réfléchit, on en parle pendant la pub. On en parlera en tout cas après la pub, hein. Ça c'est sûr. Félicitations donc à IG qui se qualifie pour la suite du tournoi. Ils rencontreront, comme Shiba vient de vous le proposer, le vainqueur de Secret contre Team Malaysia. Ah, ça aurait été un BO incroyable, ouais. Hein, n'est-ce pas, hein. Tant d'excitation dans ces parties. Ah, moi j'en peux plus, c'est simple, mon cœur bat à 1000 à l'heure. Et c'était vraiment incroyable. Ils nous ont bien chauffé pour le prochain BO. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour ce BO 3. IG contre ma team Malaysia. Enfin, Fnatic maintenant. Merci au canapé de me protéger. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Tu penses que Team Malaysia peut le faire? Moi, je pense qu'ils peuvent le faire parce que je pense que Secret, ils ont gagné tellement de trucs dernièrement qu'ils sont beaucoup trop confiants. Ouais. Et du coup, je m'attends à ce qu'ils nous refassent un petit peu comme ils ont fait au Star Ladder. Ouais. C'est-à-dire. Le plan cul, quoi. Le plan cul, ouais, où on essaye de jouer, mais en fait. Ça marche pas. Voilà, on fait des trucs, et puis voilà. Et puis après, on est déstabilisé, on tente un truc un peu greedy, ça passe pas, et on perd confiance, on perd pied dans la partie, et Johnny sauve la game. D'accord. Donc on croit en fait en Johnny. Alors, à quelle cote tu parierais sur Team Malaysia? Jusqu'à quelle cote? Je sais pas, 12%. Ah oui, t'es plus que confiant alors, c'est impressionnant. Ouais, non, je suis bien là. Bon, on va essayer de chercher une petite intervention de Juna du coup en dernier. Tu viens? Juna, tu viens? Viens manger le micro, c'est Lulu qui l'a après. Oui. Ouais, c'est pour Lulu après le micro. Ok, donc Juna qui nous expliquait donc que Team Secret est largement favori dans ce BO, à moins bien sûr que Zai ne joue son Kunkka offline et que S4 joue son Warlock mid. Auquel cas ça risque d'être plus compliqué pour eux. On va donc faire une petite pause. Comme d'habitude, on nous envoie au studio. Il y a une question dans le public. Ah, une question. Quel sera le prochain sujet de la prochaine émission de cuisine? Ben, on révèle pas. Soyez là au TI et vous saurez. T'as eu le clin d'œil? T'as eu? Bon allez, hop, on vous met la pub et du coup on va revenir avec du vrai Dota juste après la pause. À tout de suite.